Tu c'est bon, Yann, ou c'est bon, tu penses que tu peux témoigner? C'est un grand témoignage pour ça. Hier, ça m'a bousculé. This is a great testimony. I was really moved by her testimony. Écoutez bien ce témoignage. Listen carefully. Vlad. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Diane et mon mari, Monsieur Njike, Vladimir. Et par où commencer? Donc on est mariés depuis 7 ans maintenant, enfin en novembre, ça fera 7 ans en novembre. Et dû à un problème de trompe, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc, quand on m'a diagnostiqué l'hydrosalpinx, ça s'appelle, c'était 2 ans après notre mariage. Et puis, j'avais 2 options possibles, médicalement parlant. Donc, soit une opération des trompes, mais qu'on préconise peu parce qu'il n'y a pas trop de chances que ça marche. Soit la FIV, la fécondation in vitro. Donc nous, par rapport aux valeurs chrétiennes qu'on a, la FIV, pour nous, c'était pas possible. Dans notre conception des choses, c'était pas envisageable de faire ça. Donc il nous restait l'opération, mais j'avais pas forcément la paix de la faire. Il y avait aussi des risques, et on a encore attendu 2 ans. Au bout de 4 ans, toujours rien. Et du coup, j'ai vraiment reçu, mais vraiment, je dis reçu, hein, du Seigneur. J'ai pas fait les choses comme ça. Je me suis réveillée, j'ai dit, je vais faire l'opération, quoi. Vraiment, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, il m'a mis la paix. C'est important d'avoir la paix quand on fait des choses, même médicales, c'est très important. Et du coup, j'ai fait l'opération des trompes en mai 2021. Et la gynécologue a pu déboucher une trompe sur les deux. Celle de gauche, et elle m'a dit qu'on donne à peu près 1 an au couple. Si au bout d'un an, il n'y a pas de grossesse enclenchée, c'est que c'est... ça... Certes, elle l'a débouché, mais en fait, ça n'est pas fonctionnel pour autant. C'est-à-dire que la trompe ne fonctionne pas correctement et... Soit elle peut être rebouchée par la suite d'ailleurs, soit les cils qui sont dans la trompe qui créent le mouvement pour que l'ovocyte aille se loger au bon endroit dans l'utérus ne sont pas fonctionnels. Voilà. Donc il n'y a pas d'examen pour voir ça. C'est, on sait juste que c'est la durée, c'est le temps qui dit si ça a marché ou pas. Donc on a attendu, on est sorti de là, on était confiants. On a dit « Ah Seigneur, une trompe sur deux, c'est suffisant pour toi, il n'y a pas de souci. » On s'attendait à que, par ce biais-là, le Seigneur fasse grâce. Et le temps passe, pas d'enfant, Et donc, 18 mois plus tard, on revoit la gynécologue qui nous dit, écoutez, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, donc la seule solution pour vous, c'est la fécondation in vitro. Et donc, nous, on n'allait pas plus loin, forcément. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 semaines, donc au programme qui s'est déroulé ici, dimanche, le Seigneur m'a visité d'une façon, je n'ai pas les mots pour expliquer cette visitation. En fait, quand le programme s'est terminé, j'étais juste là, l'apôtre est parti, et le Seigneur a saisi mes entrailles. J'avais très mal au ventre, comme des contractions. Je me suis assise, j'ai plusieurs sœurs qui sont venues me voir pour, voir comment j'allais, pour rester à mes côtés en fait. Jusqu'au moment où maman Estelle est venue directement voir ce qui se passait. Et en voyant mon état, elle est directement allée partir voir l'apôtre parce que ça n'allait pas. J'étais pas dans mon état normal, en fait. Et juste après que l'apôtre soit arrivé, il a reçu cette prophétie
qui a dit que le Seigneur a vu votre fidélité. C'est le temps de l'enfantement. Et dès que ces paroles ont été données, je suis rentrée dans un état d'endormissement. En fait, j'ai été anesthésiée par le Seigneur. C'est-à-dire que je suis tombée dans les bras de mon mari, mais je ne pouvais plus rien faire du tout. J'entendais ce qui se passait autour de moi, j'étais consciente d'où j'étais, mais j'étais dans l'incapacité de bouger mes membres, de parler. Voilà. Le Seigneur a saisi les entrailles de Diane. En fait, elle est passée au bloc opératoire. Pour les enfants. Elle vient de recevoir un utérus tout neuf. Acclame le Seigneur. Ouf. Comment? Elle ressent tous les symptômes de la rachianesthésie. Même chose, tous les symptômes. Toi qui es, vous qui êtes infirmière, donc elle ressent tous les symptômes de l'anesthésie. Tout ça, donc c'est impressionnant. Ben oui, parce que, vous savez, ça fait des années de mariage. Toutes ces femmes qui attendent des enfants. Ben le Seigneur, c'est le réveil, il est descendu. Et il a réellement opéré. Voilà, Diane. Voilà. Quelle opération. Regardez-moi ça. Regardez-moi le réveil. Nos sœurs mariées depuis des années qui reçoivent... des matrices. Le Créateur est vivant, hein? Oui. Je tremble un peu, je ne sais pas pourquoi. Je voulais... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, là, le spirituel se transforme en physique. Quand une femme accouche, dès que l'anesthésie se termine, il faut évacuer. Là, c'est terminé. Elle a envie de se lever et elle va aller aux toilettes. C'est ce qui se passe. Julie, la chanson là. Julie est où? La chanson là. Thank you.
en fait, ben, je me suis retrouvée en tout. J'ai calculé en regardant la vidéo, 1h30 allongée, sous anesthésie. Et pendant que j'étais allongée, au bout de 5 minutes, 10 minutes, je priais dans mon cœur, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça nous arrive de tomber sous l'onction, on connaît un peu ce sentiment. Mais là, c'était pas ça, c'était autre chose. Et j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur parce que j'étais plus au contrôle de rien du tout. Et du coup, quand j'ai prié dans mon cœur, je voyais le Seigneur avec... je voyais une table d'opération dans le ciel, en fait. Ouais. Et je voyais le Seigneur. Le Seigneur, il m'opérait. Il m'opérait lui-même. Je ne voyais pas son visage, mais je voyais une lumière très forte. Et il me regardait avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et en même temps, les prophéties venaient et j'entendais tout. J'étais consciente, j'étais présente avec vous spirituellement. J'étais présente. Et le Seigneur confirmait qu'il m'opérait. Il confirmait que j'étais endormie. Il confirmait que c'était le même endormissement qu'il avait mis sur Adam. Il confirmait par, voilà, le biais de l'apôtre. Et du coup, j'avais aussi des sœurs à côté de moi, dont des sœurs infirmières, qui ont vu, qui peuvent attester elles-mêmes que les symptômes que j'ai eus, c'était des symptômes de femmes qui sortaient d'anesthésie. Donc des sœurs qui sont infirmières, hein, notamment Prisca qui est infirmière. Elmode aussi, infirmière. Qui était présente. J'avais même Nambi qui n'était pas loin, qui observait. Ouais. Qui est médecin. Voilà. Donc on va quand même vérifier si c'est vrai. Hein. On sait que c'est vrai, mais on va quand même appeler les personnes médicales qui travaillent dans le domaine du médical. Voilà. Venez pour nous confirmer que les symptômes qu'elle a eus ce jour-là étaient les mêmes que ceux d'une personne ayant subi une opération. Voilà. Gloire au Seigneur. Oui, effectivement, c'était comme si elle a été opérée. Et au moment où, c'est comme si elle était dans la salle de réveil. Elle avait des frissons, parce que c'était ça le début, lorsqu'elle va se réveiller. Du coup, elle avait des frissons, et c'était ça. Elle tremblait, mais oh là là. Et puis après, elle commençait à sentir ses membres, mais de façon... Ouais. Voilà, pas tout de suite, mais petit à petit. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça, lorsqu'on sort de l'anesthésie, du rachis-anesthésie, parce qu'il fait froid dans le bloc, donc on tremble, puis il y en a qui ont envie de vomir, ou juste comme ça, mais je ne sais pas si elle n'a pas eu envie de vomir, mais... Et voilà. Wow. Elle a eu, puis petit à petit, elle a senti en fait ses membres après. Gloire au Seigneur. Oui. Donc. C'était. Toi qui es médecin, donc tu confirmes ça. Oui. Elmod qui est infirmière aussi, cadre la petite salle de pierre, c'est ça. Hein, à Nanterre. Donc tu confirmes aussi. Effectivement, je confirme. Moi, en fait, ce qui m'a impressionné, c'est quand j'ai Est-ce vu que tout le monde entend? Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est quand j'ai vu Diane. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais Nambi, là, elle est sous-âgée. Elle me dit, ouais. J'ai dit, non, mais c'est pas une âgée, là. J'ai dit, mais c'est une âgée. Et après, le Seigneur a... Âgée, c'est quoi? Faut nous expliquer. Anesthésie générale, donc âgée. J'ai dit, donc Diane, là, elle est sous-âgée. Elle me dit, oui, oui, oui. J'ai dit, mais non, mais on Parce est Parce qu'elle où? Pouvait plus bouger ses membres. Oui, hein? et en fait, elle répondait aux réponses simples, en fait. Mais elle était endormie et elle répondait aux réponses simples. Et je disais, mais elle est sous-âgée. Et plus je disais ça, et plus je réalisais. Et donc, docteur Nambi a confirmé, oui, oui, c'est une âgée. Je dis, mais non, mais là, c'est pas possible. Et donc, du coup, ensuite, il y a Prisca. Prisca qui est infirmière aussi, qui a confirmé.
Je pleure parce que j'avais dit, Seigneur, tu fais les miracles ici. Mais moi, je veux voir comment tu opères quelqu'un. Et je vois physiquement, il l'a fait. Non. Bon, maintenant, après l'opération que le maître a faite, hein, qu'est-ce que s'est passé? Parce que tu es reparti voir maintenant une femme médecin ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc après ça, déjà quand je suis rentrée, il faut savoir que j'avais encore les symptômes. Je suis allée au bureau quand même. J'ai fait une heure de trajet en voiture et je pouvais à peine me lever de mon siège pour aller aux toilettes parce que j'avais des symptômes voilà, post-anesthésiste. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs après l'anesthésie de ne pas prendre la voiture, je confirme. Donc ma sœur Fanny est venue me chercher au travail pour me ramener. Tu ne pouvais pas conduire? En fait, j'ai réussi à conduire et j'ai pensé que ça allait partir. Mais ça n'est pas parti et ça devenait dangereux parce que j'avais tellement du mal à bouger normalement, à me déplacer, que ma sœur est venue me chercher pour me ramener à la maison. Et du coup, après ça, voilà, je suis allée faire un examen vendredi, l'hystérographie qui montre l'état des trompes. Et là, la personne qui m'a fait l'examen, qui ne me connaît pas, je lui explique ce que je viens de vous expliquer. La trompe gauche avait été débouchée il y a 2 ans et quelques, 2 ans et demi presque. Et la droite est bouchée complètement. Il m'injecte le produit de contraste, il va faire le premier cliché, il revient, il dit « Madame, le produit passe dans les 2 trompes ». Le Seigneur mérite des chants de louange encore. Donc, le liquide ne passait pas. Non, le liquide ne peut pas passer dans une trompe bouchée. Donc, il m'aurait dit, la gauche est encore débouchée, j'aurais dit, ok, l'opération, d'accord. Quand il m'a dit, le liquide passe dans les 2 trompes, madame, je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur, si le liquide passe dans les 2 trompes, vous vous rendez compte que c'est un miracle? Et il faut préciser, parce qu'elle est sous l'émotion, elle ne dit pas tout, mais quand il a fait passer le liquide, comme il a entendu que c'est un miracle, il s'est dit, on va réappuyer encore sur le liquide. Donc il a réappuyé. Et puis elle a pu revu le médecin, donc il est parti. Elle a demandé le compte rendu, le médecin dit, t'as pu revu le médecin, ouais, c'est la secrétaire, qui lui dit, il faudrait avoir les résultats sur Internet, hein. Donc, elle m'appelle en entretemps, et puis elle me dit, quand elle me dit ce qu'elle vient de vous dire, je dis, waouh, je dis, mais le compte-rendu, c'est comment, là? C'est comment le compte-rendu? J'ai besoin de voir comment c'est noté et tout. Elle consulte le compte-rendu, et sur ce qui est écrit dessus, c'est incroyable. Ils disent, l'opacification est nickel, c'est-à-dire que le liquide qui a été envoyé passe tranquillement, et que les 2 trompes sont fines, et elles sont en bon état. Merci Seigneur. Et quand le Seigneur, je vous assure, en fait, il faut vraiment. Moi, la première chose que ça m'a donné, c'était vraiment la crainte du Seigneur. J'ai vraiment eu la crainte parce que je me suis dit, moi personnellement, on a la foi, on est chrétien, on aime le Seigneur, on a la foi et le Seigneur est capable de tout faire.
quand le frère Chora a parlé de cette dame au Canada qui avait plus de trompe, c'était un encouragement pour nous, parce que elle avait plus de trompe. Elle revient voir l'apôtre, elle a un ventre à 9 mois de grossesse, je crois qu'elle avait déjà accouché. Et ça m'a beaucoup encouragé. Et en fait, il y a une parole aussi qui dit, je crois que c'est dans Romains 8, en fait, quand on traverse une épreuve, il faut vraiment s'accrocher au Seigneur. Lisez les Écritures, parce que le Seigneur a déjà tout fait. Quand on regarde Abraham, on regarde Isaac, Jacob, leurs femmes étaient stériles. Il y en a qui ont attendu 20 ans avant d'avoir des enfants et tout. Donc en fait, il faut vraiment s'accrocher au Seigneur. Et quand le Seigneur est passé par l'apôtre pour dire, le Seigneur te donne un utérus tout neuf. Quand on est rentré à la maison, donc Diane, ma femme, elle me dit, non mais utérus, moi c'est le trompe le problème. Et je dis, non, en fait, l'utérus, il y a les trompes, il y a les ovaires, tout est neuf. Et là, on a compris que c'était la parole du Seigneur, vraiment. Et donc là, ce matin, j'étais au travail. Parce que quand on lit le compte-rendu, j'ai relu, mais... Tu l'as pas amené? Si, je l'ai, là. Mais faut amener ça. C'est mon portable, c'est mon portable. On veut des preuves. Il devait y avoir plusieurs prédicateurs aujourd'hui, mais on se laisse guider. Hein? Voilà, ça c'est... Voilà, ça sera une prochaine fois. Donc, faut envoyer ça à Trifaine, comme ça on met ça sur... Mais il faut projeter ça, que les gens voient que notre Seigneur est vivant. Ah ouais. Il est vivant, oh Adonai. Je connais toutes les paroles de cette chanson. Sarah, tu les as? Viens. Avec l'enfant. Il faut des preuves médicales. On acclame encore le Seigneur. Notion d'infécondité primaire. Pas d'anomalie sans opacification. Donc, expliquez-nous un peu là. En fait, ça c'est votre domaine. Là, il y a écrit pas d'anomalie sans opacification, c'est-à-dire que quand il a fait le premier cliché, sans avoir injecté le produit, il n'a rien vu d'anormal, déjà, première chose. Ensuite, pour aller voir plus loin, il va envoyer le produit, donc il opacifie. Donc là, en gros, il dit que l'utérus va très bien. Interversé, c'est les positions qu'elle prenait pour qu'on regarde un peu tout. Donc là, tout va bien au niveau de l'utérus. Tout est nickel. Et en fait, les trompes sont opacifiées rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adhérence, il n'y a rien, ça passe. Rapidement. Ça passe. Le Seigneur a dit dans la Bible qu'il vient rapidement. Donc là, c'est rapidement. Viens. Josué, attends. Tu as dit quoi? Il n'y a pas d'embouteillage avec Yoshua. Pas d'embouteillage.
Donc, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas. Qui es-tu grandement devant? Tu seras. Attends. Attendez. Hold on. Jésus a dit pas d'embouteillage. Our brother says donc, no trafficking. Des passages me sont venus. These spaces qui es-tu grande montagne? Who are you, great mountain? Un autre passage. Another passage. Jean-Baptiste envoyé. John the Baptist said he pour préparer le chemin du Mashiach. To prepare the way of the Mashiach. Que les montagnes soient rasées. May all the mountains be destroyed. Les collines rabotées complètement. May they be afin que down. La gloire du Seigneur passe. For the glory of the Lord to be seen. Et celui qui s'appelle la porte. And the one who is called the celui door, qui s'appelle le chemin. The way. A premièrement ouvert la porte. He first of all opened the way. Ensuite, il a frayé le chemin. And then he made the way. He prepared the way. Acclamons-le. Acclamons-le. Let's give him a hand clap. Wow. Il y a un enfant qui arrive qui s'appelle Fidèle. There's a child coming. He's on his way. His name is Faithful. On l'a déposé déjà ici. They have brought him here. Le Seigneur a frayé le chemin pour cet enfant-là. Il y a un chant qui dit ça, il a frayé le chemin, non? Il n'y a pas un chant comme ça? Qui a... Amen. Wow. C'est parfait. Oui. D'autres images, montre-nous les autres images là, s'il te plaît. C'est juste la radio. La radio, oui, on veut voir la radio, oui. Tu l'as reçu la radio? Parce qu'en fait. Do you have the X-ray? Si tu l'as pas, si elle l'a pas reçu, c'est pas grave. Si tu l'as pas reçu, c'est pas grave. Ah, elle est là, ok. Donc en fait, ce matin, je parlais avec un médecin avec qui je travaille là. Comment, comment? Ce matin, je parlais avec un médecin qui est MCU, un maître universitaire de conférence. Et je ne lui ai pas parlé de ma femme. Hein. Je lui ai juste dit, j'ai reçu des examens. Est-ce que tu peux les interpréter? Parce que j'arrivais toujours pas à y croire. Ouais, voilà. Et donc, quand il a lu le compte-rendu déjà... Il a dit, on t'a envoyé ça, il a dit, ah bon,
Non, mais là, il n'y a pas de problème, là, il n'y a rien, tout fonctionne normalement. Je dis, attends, et la radio, là, tu peux regarder un petit peu la radio? Il regarde, il fait, bah là, il y a l'utérus et là, il y a les trompes, c'est bon, tout va bien. He asked another specialist to confirm what he has seen, and he has confirmed that there is the womb and the fallopian tubes. All good. C'est bon. C'est pour confesser. Très bien. Le fait d'être passé devant, c'est déjà bon pour vous deux. Pour confesser, que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. Waouh. Qui était là quand le Seigneur, après le programme, il y a 3 semaines, hein, quand notre sœur a subi son opération? Who was here 3 weeks ago when our sister underwent the surgery? C'est du concret. This is real.